C'est fait pour Paulo Lopez, qui est désormais olympien jusqu'en juin 2026 en raison de la levée de son option d'achat suite au 20e match qu'il a disputé face à Bordeaux. Un nouveau clean sheet pour celui qui s'est imposé dans les cages de l'Olympique de Marseille. Voici quelques statistiques qui vont prouver à quel point Paulo Lopez est devenu un joueur majeur du système Sampaoli. On commence avec ses stats en Ligue 1 où il a disputé 15 rencontres. 0,66 buts encaissés par match, soit 10 buts encaissés au total, mais surtout 60% des rencontres sans encaisser le moindre but, ce qui fait 9 clean sheets en 15 matchs, rendez-vous compte. On bascule sur les stats toutes compétitions confondues, où le portier espagnol en est à 7 buts encaissés en Europe, dont 4 à Galatasaray, c'est vrai, sur les 5 matchs joués, ce qui lui donne un total toutes compétitions confondues de 55% de matchs sans prendre de but, 11 clean sheets en 20 sorties tout de même pour Pau Lopez. Et puis en bonus, voici deux statistiques qui viennent montrer à quel point il est important dans le jeu de l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, l'OM, meilleure défense de Ligue 1 avec Pau Lopez et avec Steve Mandanda également. Et puis 73 ballons touchés contre Strasbourg. Ce chiffre ne vous dit peut-être rien, mais jamais dans l'histoire un gardien de but n'a touché autant de ballons dans une rencontre de Ligue 1. Voici une sacrée statistique qui montre à quel point Pau Lopez s'est pleinement intégré à l'OM.